أرضي لا بالهم أرضي لا بالهم يما والهمة طبينا أرضينا بطوم يما سكتنا وسكينا عينينا أرضي لا بالهم أرضي لا بالهم. السلام عليكم. Moi je crois que tout ce qui a été dit maintenant on est en train d'avancer et là il faut réchauffer. Et puis ce que je voudrais aussi, donc parallèlement à ce comité qui va être créé, qui va diriger provisoirement ou définitivement par exemple ce regroupement, créer parallèlement un comité de réflexion qui pourrait aider le comité qui va être créé. Et ce comité, j'espère qu'il soit constitué des gens qui ont un peu d'expérience ou qui ont œuvré dans l'intérêt de cette communauté. Salam alaikum. Ibrahim Sinan, Bahid Sinan, Sidania. Smet Akhir Babar, Jtima Sabek, Kandam Tibia. Moi je vais être bref. J'étais membre du comité qui a préparé cette réunion. Mais aujourd'hui je me présente devant vous. J'ai le temps. Je suis en pré-retraite depuis 2006. Et je pense que je vais être utile pour la communauté. J'ai du temps. Je peux faire du bénévolat. Si je peux être utile, s'il y a des gens qui peuvent avoir confiance en moi, de faire partie de ce comité-là qui va diriger cette communauté, je suis prêt. C'est pour cela que je me présente. Et on va répéter ce qu'on a déjà dit la dernière fois. On était chez Hajj. Puis c'est ça, on parlait vraiment, ce qui est plus intéressant, c'est le Royal Air Maroc, puis les gens qui meurent ici, puis qu'on ne peut pas les matérialiser au Maroc. Donc on aimerait ça que ce soit vraiment que ça soit pris au sérieux. Puis qu'on se met tous d'accord
puis qu'on se met la main dans la main. Juste répondre à quelque chose, vous savez, le projet, comme j'ai dit à la dernière fois, c'est moi l'architecte de ce projet, d'accord? Et juste pour répondre comment il était conçu, le projet. Votre question est très très intéressante. Et vous savez, quand on parle, on va continuer à faire le congrès des Marocains. Vous savez, aujourd'hui, votre idée, c'est qu'on va faire à la fédération métropolitaine. Moi, j'ai fait le tour. Pourquoi d'abord dans le site, je n'ai pas expliqué ça, mais si vous avez vu hier, je l'ai expliqué. J'ai fait le tour, j'ai choisi quelques Marocains, et j'ai essayé vraiment de parler avec eux, discuter, essayer vraiment d'arranger ce qu'il y a à faire. J'ai rencontré le Hassin, comme j'ai rencontré la Sali, comme j'ai rencontré Monsef, quand j'ai rencontré Elhaj, j'ai rencontré beaucoup de monde. Essayer de voir avec ces gens-là comment on peut mettre en application un projet comme ça. J'étais à Québec, j'ai déjà préparé, c'est déjà en préparation pour la fédération capitale. C'est-à-dire ce qui se passe aujourd'hui. Ça ne concerne que les gens de Montréal et les environs. Et le comité que vous allez peut-être mettre en parallèle, c'est celui qui va vraiment continuer à superviser toute l'opération pour arriver à eux. C'est ça ce que je voulais dire. Merci à vous. ديالي غادي نقول في نفس الطريقه ديال التدخل اللي جيت بيه قبيله بعد ما سمعت لي زانترفونسيون ديال الاخوان انا باقي في نفس لا بوزيسيون ديالي كنظن بان خص جميع الاخوان يفهموا بان لو ترافاي دو افوا دو لا كريديبيليتي نوبليون با كي دوطخ بيرسون على الاكستيريور كي نو ريغارد كي اتوند كو لو ترافاي سوا روندو بور ابورتي اون كريتيك. Si on veut que ce travail soit démocratique et crédible et légal, je pense qu'il faut que ce projet soit cristallisé de manière claire. Ensuite, que le chemin qu'on va parcourir soit également bien clarifié. Je sais, si on donne à cet aspect le vocable d'Assemblée générale, on est en droit d'élire tout de suite un comité ou un conseil d'administration, tout ce qu'on veut, on est en droit de l'élire. Mais la crédibilité du travail consiste à ce qu'on sache exactement quels sont les critères de désignation, la liste des appuis, comment il va être établi. Il faut un contrôle aussi. Est-ce qu'on peut soutenir les 11 candidats en même temps? Est-ce qu'on... Tout ce travail, ça paraît simple, mais c'est la crédibilité qui va être mise en jeu. Donc, ne pensons pas qu'on va perdre du temps en consacrant des moments pour consolider ça. Il faut que ce comité, si on arrive à l'élire, c'est une bonne chose. Mais il faut qu'on lui donne un mandat. Il faut qu'il travaille sur une charte. Il faut qu'il nous donne un état des lieux. Et il faut qu'il nous précise le projet et surtout l'appliquer. Un autre cas qui nous intéresse, c'est le projet pilote de l'État et la fédération de Montréal métropolitain. Si on réussit ici, on peut le transposer. Donc on peut donner un mandat à un comité qu'on va élire, mais ce mandat, une fois qu'il soit terminé, ce travail terminé, il faut qu'on revienne pour le valider, le critiquer, ou être en passe à une étape de mise en œuvre de la procédure. Il ne faut pas qu'on court-circuite le chemin. D'accord pour qu'on passe de l'avant. L'Assemblée générale, s'il est légalisé, j'ai posé la question, est-ce que par rapport aux autorités, nous sommes légalisés, est-ce qu'elle est légale? J'ai posé la question, on va répondre. Je pense que oui. C'est légal. On peut élire un comité. Comité qui va préparer une charte, qui va définir le projet et qui va nous donner quels sont le parcours qu'on va établir. Et à partir de là, on se réunit pour valider et puis déclencher. Merci. Merci.